son score 45. Nous comptons à coup, nous allons essayer de mettre main sous Baudelaire, sur Merville, pour que nous parlions à lui. Et déjà, nous allons faire numéro ça, nous téléphone moyen pour essayer de faire numéro ça pour nous, en façon pour nous capables d'entrer en contact avec Baudelaire. Et ce numéro maintenant, donc déconnecté pour là, plugin à comme là, et puis regardez sur moi. Et une cabane. Alors, amis auditeurs et internautes, radio et témoins, qui suivent nous sur les réseaux sociaux, nous comptons un coup. C'est l'émission Sport 45, 45 minutes d'information sportive. Et qui ça qui gagne dans l'actualité hein? Alors, hier, c'était une émission locale net, parce que nous avons regardé la Coupe du Monde 2026 là, qui arrivait sous nous. Et, mais particulièrement, le fait qu'il y a fait dans la zone CONCACAF là, donc dans la zone Panama, et que États-Unis lui a moins d'une heure de nous, donc nous t'as regardé et comment est capable de commencer à gagner une mobilisation pour ouais est-ce que Haïti est capable de qualifier. Pour ça fait, il faut que FHF là emboîter le pas, il faut que l'État haïtien et emboîter le pas, faut, j'ai envie de dire, toutes les forces vives de la nation, toute entité, entreprise privée, de particuliers qui est capable de mettre main à patelin et faire des promesses claires à joueurs, mobiliser pour que nous allons chercher, à convaincre certains joueurs qui ont même à jouer de un niveau supérieur en Europe, capables de venir. Alors, c'est un match amical qui jouait dans le week-end à Jodian qui pourrait le faire essentiel justement et actualité avec Brésil qui enchaînait un deuxième match de très haut niveau côté que n'a pas perdu, même si match hier là est moins ouais de pénalty et ces deux bagailles est totalement ridicule. Dani Carvajal, monsieur concédé au penalty et son bagaille tête chargée. Ouais, on joue au brésilien tout qui concédé une, c'est du n'importe quoi. Et puis, Vinicius Junior, monsieur. Alors, Béjean, c'est sur téléphone maintenant pour faire une honnête comme là pour le Baudelaire. Et donc, on va y casser ça. Ça, c'est pas maintenant. Donc. Numéro en bas, hein, c'est pour essayer de monsieur directement. Au lieu de parler sur WhatsApp, on va essayer de parler directement. Donc, on va débloquer le téléphone pour là, débloquer maintenant, et puis on va essayer de monsieur. Alors, je vais essayer d'entrer en contact avec Baudelaire parce que moi, j'ai besoin d'un autre regard sous deux matchs que le Brésil jouait. Moi, je suis toujours parti du principe que. Pour contre moi, je ne suis pas capable de faire qui choye, faire trop gros bagaille. Donc, l'aimé, on l'autre regard autre que Pamna, ça a permis que moi vraiment dans l'échange, sans me pas obliger, tant qu'on monde qui connaît et puis qui a vint à l'essai à des amis auditeurs. Et c'est ça qui fait tout que, en plus fois, nous demandons aux auditeurs pour entrer en contact avec nous. Et bon, numéro ça encore pour le numéro radio, pour me garder moi, est-ce que c'est là? Oui. Bon, si y a quelqu'un qui est intéressé par les avec nous, il y a carré les noms sur 31 56 01 96, et nous a parlé avec eux de qui ça y a été dans le match brésilien. Est-ce que c'est une équipe qui a un avenir devant avec Dorival et par rapport à joueurs que monsieur intégré en équipe là. D'ailleurs, c'est une nouvelle charnière défensive avec justement de nouveaux joueurs et mi-terrain. J'ai l'impression définitivement monsieur Abbaye Bruno Guimarães les clés et demi-terrain équipe brésilienne. Donc, Casemiro
Cap venu à Manchester United, monsieur semblait a perdu place de titulaire. Même si je pensais que jeudi, Bruno Guimarães, cap venu à Newcastle, là, monsieur a plus de volume dans le jouet-là par rapport à Casemiro. Casemiro un peu à l'ancienne, mais monsieur montrait que les hybrides, li à la fois à la récupération et il gain capacité pour que les projeter vers l'avant et c'est déjà un bon bagage au Brésil sans oublier Paqueta et qui lui-même dans un rôle de créateur cap créer espace cap créer jouette pour équipe brésilienne et puis Vinicius Junior en pile monde après tant que monsieur délivrer ou bien jouer un match de référence à Brésil. Match de référence là, c'est les joueurs là, les prend match là à son compte. Ça veut dire que les prend match là pour lui. Et en termes de quantité d'action que la peut créer dans match là, comment la porter dans le GA et pendant tout match là et que lui paraît inarrêtable, impénitent. Dans ça que l'a fait. Oui, et puis l'a fait équipe l'a gagné, bien évidemment. Donc, Vini Poco véritablement gagné en match de référence. Béjan, si vous voulez avec ça, et ok, c'est le monsieur pour nous directement, pour nous capables de parler à Baudelaire-Sumerville. Donc, je pensais Vini, Rodrigo, seul doute que je gagne moi-même, c'est sur Rafinha, et peut-être que Hendrick, qui fait deux goals. Avec Brésil, monsieur, et c'est pas le capable joueur qui doit jouer dans la place Rafinha. Et monsieur fait un goal hier, on reprise de volée. Après, on corner, monsieur là, on reprise de volée. Et ben, mettez casse-moi. Et on fait ça pour que mon gars commence à parler avec Baudelaire. Lila. Et voilà. Et on retour dans la casse-moi. Ok, yes. Baudelaire, comment est-ce? Mon cher, moi, optimisme qui caractérise ou qui caractérise nous prend et nous toujours en forme depuis que nous dormi, nous lever, nous en santé et nous été focus sur ça qui est positif, Baudelaire, même si réalité d'ensemble. Et pays à l'inquiétante, mais nous rester positif. Alors, Baudelaire, je suis certain que malgré la situation pays, mais vous gagnez un petit temps de répit, parce que vous pratiquement pas prendre la roue véritablement, vin dans l'émission avec moi. Mais vous gardez match football. En tout cas, et pendant fin semaine dernière, à début semaine ça, jusqu'à hier, eh bien, nous t'es gâté avec vraiment de gros affiches. Bien longtemps, nous pas trop Brésil. On Brésil est face à l'Angleterre. On Brésil face à l'Espagne. On la France face à l'Allemagne. Donc, t'es gagné de matchs, de opposition justement de taille. Et pour nous t'es gâté. Maintenant, Baudelaire, on va nous garder deux matchs brésiliens face à l'Angleterre et hier face à l'Espagne. Mais c'est vous t'es gâté, yo. Comment vous trouvez justement et travail que Dorival commençait à faire? Ces deux premiers matchs, monsieur bien sorti dans deux matchs. Maintenant, en termes de projet de jeu, en termes de changement que monsieur peut dans l'équipe, là, tactique et repositionnement, joueur que l'y intégrer dans l'équipe, là, mais tout dans ça que Brésil monterait pendant deux matchs. Et comment vous appréciez justement Brésil, nouvelle version ça? Moi, ça le dit encore, Rico. J'espère que tout le monde, bon, ça n'est pas bien, mais j'espère que tout le monde a apprécié le Kimbe, malgré la situation qu'il y a d'ailleurs aussi. Eh bien, nous allons surtout accentuer moins sur le match qui se mettait au prix d'Espagne, dans Santiago Bernabéu. Ça paraît qu'il peut bien de junior de rival, puisque match en deux heures là, je t'ai parlé à moi, moi, quelques minutes, je n'ai pas vraiment à l'éternité, je me suis dit. Et sinon, ce goal là, c'est moi, ouais. Mais c'est surtout l'Espagne hier,
Et moi, voyons, Brésil qui assez tranchant, ils ont rapide pour. C'est bon, Brésil qui allait à pas de tortue. Je remarque son Brésil qui allait très vite. Et je remarque tout transition offensive que Junior Dorival lui-même lui porte dans l'équipe. Déjà, nous avons perdu Baudelaire. Et est-ce que nos Bédules avaient la coupé? Non. Même s'il va couper, ou qu'en réalité. Non, en tout cas, il n'est pas là. Donc, on a essayé de régler encore. Alors, Brésil, alors, Baudelaire, tu as parlé de rapidité. Ça veut dire que dans l'animation jouette, là, en termes d'intensité, et sortie de balle, circulation de balle, eh bien, il y a fait avec intensité, rapidité. C'est-à-dire, c'est pas. Alors, ça, l'équipe capable de jouer avec en pile intensité dans l'échange, dans la passe, dans la transition, dans la circulation de balle, eh bien, ça rend ni moins prévisible. Donc, l'équipe adverse là gagne des difficultés pour les jouer. À Baudelaire. Oui. Moi, d'aller. Oui. Alors, m'a dit vraiment, la coupe. Alors, m'a dit comme ça que. On t'a parlé de rapidité, où estimez que l'équipe l'a gagné? Effectivement, je estime que l'équipe l'a gagné une certaine rapidité. On t'a dit que quand l'équipe l'a allé à part de tortue, transition et offensive et défense, j'aime penser Junior Dorival, il faut être en équilibre dans la sélection de Ligue 1, puisque j'aime t'a dit auparavant. Communication de Kouvea, et gagner certaine patience, bon côté joueur brésilien, nous connaissons un moment par eux, ça veut dire le moment qui propice pour eux capable de contre-attaquer, puisque moi j'ai dit contre-attaquer, puisque c'est pas eux même qui a fait ce jeu-là, mais c'était surtout l'Espagne qui a fait ce jeu-là, et même à faire football ça, et puis. Et j'aime bien là, la mine la mal, comme des gens qui ont conduit en privé avec vous, d'abord que monsieur lui, il est très lent, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais par la suite, vous êtes obligé de faire profil bas. Et moi, je crois que monsieur a continué sous même lancée là, et monsieur vraiment délivré en masterclass hier, et monsieur se fait sous toute gueule. Équipe espagnole là, notamment premier vol là, côté que M. Fontes est sous bord gauche là, il élimine deux joueurs brésiliens, deuxième joueur brésilien, il poche en pleine sous-salle de réparation, et puis il est déclaré par pénalité, qui est très bien transformé par Rodri lui-même qui t'a pris en contre de pied, puisqu'il devait un ballon sous bord gauche, côté brésilien. Et puis, Brésilien lui-même, il était à droite. Et par la suite, ça va bien, même là, il y a un mal encore, qui est là, il fait une observation, et puis il saisit Dani Olmo qui vide un joueur, mais ce deuxième vide là, il conduit pour deux. Il conduit pour deux, et puis il enchaîne avec une belle frappe, parce que c'est avec pied gauche. C'était vraiment. Bon, pour moi-même, c'était. Il n'a pas de bel gol. Ça n'aime pas courir vite. C'est qui bel gol, Mathieu, là. Et puisque ma venu sous gol et indique là, moi, je crois que c'est un bel gol que j'ai dit. En tout cas, c'est quelqu'un, mon cadeau de Unai Simon. Unai Simon, je vous en ai habité avec 13 ans de EOSAO, EO Monumental SAO, côté que. Et parce qu'en route, comme quoi c'est le normal qui fait le poulie, avec une certaine désinvolture, M. Côté très désinvolte, l'action, une certaine légèreté, la façon qu'il a fait passer là, il fait passer là dans l'axe 16 mètres là, dans manche mallette là même, côté que il y a un Rodrigo qui est à l'affût, et puis Rodrigo fait que contrôler le ballon, et puis l'obé, monsieur, et c'était 2-1. Le Brésil, qu'on y a fin. Finirait du état là, où senti Brésilien était vivant l'autre souffle, un souffle nouveau,
dans match de football là et après rentrer Hendrick qui nous c'est un attaquant qui est seulement efficace mais qui est efficient tout puisque en tout cas dans la sélection nationale de gouvernement puisque après deux sélections c'est deux goals c'est le fait Hendrick donc c'est un corner qui chutait sous côté droite là et puis dégagement fait c'est mon premier frappe je ne me rappelle pas, mais c'était de Lucas Paprika. Et puis, M. Joël Rebon, ils font un volet, ils font un demi-volet. En tout cas, ce match est à DA, mais ils étaient contre nos défenseurs espagnols. Ils battent contre Unai Simón, c'était 2 à 2. Et puis, pour moi-même, soit sur Cavaral là, moi, ça crois que c'est pénal. Moi, je crois que le central là, il fait un mauvais jugement sur Action ça. Pas le pénal du tout pour moi-même, puisque pour sa clarité, pour le jeu, pour habiter lui-même, il était décidé, il était capable de quitter l'action à passer. Je ne sais pas quoi il était obligé par le pénal, pénalité sur l'action ça. Et soit parce que je pense que ça va être un peu vigilant par le plan, ou bien je ne sais pas qu'on est tout, puisque ça devient présence, va, moi-même, je dis là, va, puisque moi, moi plus à pile confiance en sérieux, je suis tout à l'heure l'avant, je suis tout à l'heure et bon, ça sont leurs débats, et pas de débat dans ma tête pour ça, donc avec pas de recours à l'avant également, et puis Rodrigo lui-même, lui, et Tabral, transformé, et pénalité à cette fois-ci, il voyait pénalité à sous votre droite, comme qui veut vous et puis comme qui veut vous dire, c'est à gauche. Et par la suite, j'aime pas bien, Brésil, il n'a pas de mérité, il a pêché du bec et des gens, comment il était capable de faire une égalisation. Il a finalement joué le pratiquement dans la minute additionnelle. Et maintenant, il finit. Alors, voilà, il fait, et puis, avec la mise en fin, ça lui-même, il était un pénal, puisque Cavaral, c'est une transaction, Cavaral, parce qu'il jouait tout à fait une action. Mais le Québec qui est joueur brésilien. On a joué pas ça. Il fait un top pied avec le joueur brésilien pour le faire faute. Moi, je crois ça. Lui-même, c'était évident de gagner pénal. Et puis, c'est Lucas Paquetá qui allait et puis qui transformait les pénalistes en but pour l'équipe brésilienne. Donc, c'est une victoire, une nulle, dans deux premières sorties, Junior de Rival. Et. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais Madame Baudelaire, par rapport à ça que ouais hier là, c'est-à-dire et en termes de production de jeu que Brésil baille. Maintenant, individuellement, comment ouais individualité parce que quand même il y a de nouvelles têtes qui arrivent. Et comment ouais le jeu d'ensemble. Ça veut dire que ça arrive à la main des nègres pour proposer. Est-ce que joueur que Monsieur Météo y a taillé pour ça? Et ou senti qu'on cohésion, ou senti que individuellement, est-ce que Vini et Jean-Luc Vonneréal, je vous dis, hein, est-ce que M. Baye 60% de sa gueule à Baye là? Et puis, et quand même, le cas de Rafinha, qui est titulaire ni face à l'Angleterre, ni face à l'équipe Espagne là, et éventuellement Hendrick là, même si c'est dans 30 dernières minutes que nous voyons véritablement. Est-ce que M. Kabab postule là et comme titulaire dans place à Rafinha? Dans le téléphone, pour me dire que moi, malgré toute analyse que je fais là, moi, je peux lire encore tout, mais ça, c'est moi apprécié d'ailleurs ce jour-là, moi, apprécié la caille junior de Rival, et c'est que lui baille chance avec de nouvelles têtes. C'est le cas, par exemple, de Jean Couteau, la Brunage One, c'est un bon latéral, je fais appel à elle. Et puis, le cas de Lucas Beraldo, que je devais appeler Santique, et Junior Dorival, ou encore n'importe quel sélectionneur qui tape là, je pense que depuis, il est très confiant, il est très pragmatique, je pense que je fais appel avec Lucas Beraldo, qui a bien entendu ce jour-là. C'est deux joueurs qui ont même intégré avec les pieds et sélection nationale brésilienne. Mais pour moi, on a question là, comme dit que jusqu'à présent,
Vinis, vous allez essayer de faire un exercice bien rapidement. Moi, presque, Vinis actuellement, il y a autour de 28 sélections, mais c'est seulement 3 buts. Tandis que il y a Hendrick lui-même qui fait 2 sélections, 2 buts. Oui, oui, oui. Et pour Sarafina, et Matou me souvient, tout à l'heure, pour Sarafina, je pense que c'est catastrophique. C'est parce que je dis, c'est pas des joueurs qui fait que la finale capable de prétendre et pour jouer dans la sélection nationale de l'UTM. Il y a que vous étiez un joueur, même non, il est 5 ans dans la sélection n'a pas posé de faire la finale. Donc, le Paris, va dans une joueur. Baudelaire, mais mettons bémol rapide. Sous qu'à font-il déplacer tout parce que on dit pas recevoir avec coupure. Même dans mettons bémol rapide. Font-il déplacer pour qu'à bien recevoir. Et ça me moi-même, je ne pas trop bien. Non, je ne sais pas si qu'à font-il déplacer parce que je connais moi-même pas qu'à déplacer ou pour font-il déplacer. Ah, ok. Essayez de font déplacer pour qu'à recevoir 5 sur 5. Baudelaire, où là? Ok. Je vais mettre un bémol et sous ça, on dit là rapidement, à savoir. Alors, Jean Mounio, on a dit Messi son Kléber et Vinicius, ou dit son Kléber tout, mais je vais mettre une différence rapide. Et c'est quand même. Les détracteurs de Messi, par rapport à tout ça, monsieur, t'as fait un club en termes de gros causé, t'es tellement gain attente autour de Messi, parce que quand même, n'est-ce pas dit que Kléber, son nec qui a fait finale Coupe du Monde, son nec qui fait finale Coupe Américaine, ça veut dire que Messi pas de jambes ridicule en dans sélection de l'Argentine. Il y a des difficultés pour que les remporter un titre. Ça qui peut le cas de venir, il a dit Messi, l'arrivée en Argentine, c'était toujours mettre équipe. Et l'équipe avait une difficulté, certes, mais c'était toujours la même équipe, etc. Mais monsieur lui-même, il n'est pas dans le bagage, ça du tout. Performance, il n'est pas bon même. Moi, je suis Bon, et ma... Baudelaire, par contre, ça qui passait, mais il y a des difficultés. Mais on met cancel, appelle l'ambéjan et puis refait le bout nous encore. Et en tout cas, vérifier combien de pourcents de téléphone n'a rien, parce que c'est l'étel n'a aucun problème. Et alors, quand on appelle l'un, refait encore, on va sur le capable de finir avec Baudelaire. On a parlé avec Baudelaire sous Merville, sous équipe brésilienne, non. Pour ce l'autre question d'allemand de Brésil et Baudelaire et Béjan. Brésil, est-ce que Brésil. Est-ce que Dorival a une capacité pour que le fait Brésil jouer sans un attaquant vrai, sans un attaquant type? C'est-à-dire que vous vous trouvez là avec un 3 devant, sans véritablement gagner un point en équipe là, on est qui pour Bali et point d'ancrage devant. Donc c'est Rodrigo qui est devant avec Rafinha et Vinicius Junior. Mais je pensais que c'est dans la Copa América véritablement pour nous attendre le Brésil. Vous comprenez? C'est là pour nous attendre le Brésil et puis
pour Naloué, est-ce que tout bon vrai, Brésil a pour prendre du poil de la bête? Et est-ce que Brésil a pour prendre, a pour trouver ses vieilles habitudes? Une équipe joueuse qui a joué et Joga Bonita, et en façon pour que lui vraiment dominé adversaire Lio, et non seulement la peau du bel jouet, la fait spectacle, et puis la gagne en même temps ce que Brésil perdu depuis quelques temps. Alors, le temps pour que mon rejoigne Baudelaire, ben moi, je dis quand même que la France gagne Chili et 3-1. Mbappé pas fait goal, mais moi, je lis détails comme quoi et la presse française pas encore satisfaite. Oui, Baudelaire, là? Oui, Mla Hugo. Oui. Maintenant, alors, on va retourner sur Kléber. Je vais te comprendre, soit dit. C'est ou juste qu'il y a un petit exemple. Maintenant, Baudelaire, en dehors de Vinicius Junior, est-ce que, bon, quand on regarde Mathieu Luther, là, est-ce qu'on pensait vraiment que Brésil était capable d'entrer dans cette situation-là pour la jouer sans un véritable attaquant de pointe? Bon, les baguins et tout, ça, c'est une équipe paranoïe. Richarlison et Jesus. Mais est-ce que Brésil t'a capable d'y tête libre, balle passer de un attaquant type, et puis pour la jouer avec Vini, qui pas efficace devant du tout, et Rodrigo, c'est presque un bagaille là. Donc, est-ce que offensivement, Brésil n'est pas manquant bagaille? Bon, donc, bonjour, tout à Haïti et Vinicius Junior actuellement, mais monsieur, ça fait longtemps qu'il passe dans la sélection brésilienne. Moi, je crois que monsieur a toujours rapproché de Benzema. Là, on va parler de Roberto Firmino. Moi, je crois que c'est profil ou des caractéristiques de ça qui t'a pas aidé. Et Vinicius, combiné avec elle, pour au moins, il peut capter ton bagage et mieux dans la sélection brésilienne. Mais pour l'instant, c'est pour qu'on l'état. Vinicius pour convaincre du tout. Même point du tout. Et du coup, c'est vrai, il fait Goyo, mais c'est pas gros attaquant brésilien que nous gagnons. Bon, nous, on s'y casse nos salles du tout. Oui. Indique, c'est pas, nous avons parlé de crack, indique pas crack pour moi-même. Non, alors, c'est déjà un bon bagage pour lui, Baudelaire, que les gens disent efficient, c'est-à-dire, c'est l'action que le joueur le fait goal avec. Alors, face à l'Angleterre, son rebond que M. Jouen, et bon, comme Vinicius Junior. Oui, et puis monsieur fait goal là. Oui, justement, et puis hier, et son reprise de volée, en tout cas, il était bien rangé col pour le mettre. Maintenant, moi-même, je ne suis pas capable de prononcer M. Monsieur, parce que même s'il jouait 30 minutes, etc., je ne suis pas well pendant 30 minutes. Oui, il y a encore tout. Je ne suis pas well pendant 30 minutes. Pour moi, est-ce que qui ça que le capable de porter véritablement dans le jeu? Parce que là, laisser 30 minutes faire ouvert goal, ok, ça passe. Maintenant, là qu'on y a, on va appeler pour jouer 90 minutes, ça va demander beaucoup plus de lucidité, ça va demander pour que on prend les bonnes décisions. Non, qu'on est, est-ce qu'on doit accélérer, est-ce qu'on doit camper, est-ce qu'on doit bypass, est-ce qu'on doit shooter, etc. C'est là que on prend le temps de monsieur, véritablement. Hier, nos actions contre-attaque, nous nous témoignons que nous disons ça à la carrière. D'ailleurs, c'est lui-même qui était empêché de contre-attaque là. Nous, on fait deux balles, nous nous sentons dans l'équipe de Sanol là. Bien rapide, pendant la deuxième équipe, il y a eu un score passé pour Vinicius Junior. Ça, nous nous témoignons. Et il y a une petite place qui vient à la caille, à savoir vitesse, capacité pour le faire et transition rapide là. Dans l'action, c'est seulement moins bon idée. Moi, je pense que, comme son joueur de 17 ans, donc qui est perfectionnable, son joueur qui a appelé pour l'améliorer, je pense que il est capable de venir un attaquant de très grande classe mondiale. Mais pour l'instant, c'est pourquoi encore ça. Et moi, je crois que lui-même avec Victor Roque et Capitaine Barcelona, il n'y a pas trop différent. Et Baudelaire, et l'Angleterre habituée nous déjà avec un pléiade de grands joueurs. Parce que moi, je crois que l'Angleterre qui était gagnée là-dedans, Steven Gerrard, Frank Lampard, et Beckham, Ashley Cole, la génération aujourd'hui, il faut passer. Et néanmoins, l'Angleterre gagne tout en génération dorée, je veux dire tout.
Mais sous deux derniers matchs que vous jouez. Oui, ah, oui, oui, là, c'est deux belles points. Effectivement, mais Nagyo perdu 2-0 face à Brésil. Il a fait 2-2 face à Belgique. En Belgique, qui va finir tellement trop bon. On va garder match hier là. Donc, équipe ça, qui quand même a couru derrière en Coupe d'Europe, que vous pouvez jamais capable de gagner. Il a fait final, on se fait final en 2021. Et si il arrive dans la Coupe d'Europe, c'est à bout de l'air, il peut y aller là encore. Sur l'équipe Blues, oui, il a continué comme des éternels losers, puisque c'est un lien trop majeur que vous avez. C'est quand même longtemps avec un acquis du chapeau de joueur en France. Et depuis au départ de l'Allemagne, j'étais bien en 1966, je n'ai pas jamais un trophée majeur encore. Donc, Gareth Southgate, est-ce que c'est lui qui problème là? Moi, pas une trois fois. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a une pile belle promesse. Moi, je crois que Joël Sao, qui c'est Conor Gallagher, qui c'est ça qui s'est joué dans Manchester City, et qui, lui-même, en pile là, donc, c'est de belles promesses qu'il y a. Bien, moi, je crois que c'est ma propre Oli Watkins. Malgré que le texte que vous m'avez gardé. Et je vois ça, il faut qu'on continue. Donc, je pense que c'est pas travail. Je ne sais pas si ça a comme projet. Est-ce que son projet. Oui, mais Négoudi là. Je pense que c'est travail. Oui, beaucoup plus de temps pour le capable. Baudelaire. Nous avons la parole de. Pourquoi M. Tant toujours Monsieur Gagné, quelques. Non. Ah, ok. Rico, comment vous êtes à Mabdoula? Oui, c'est par rapport avec Joël Sao qui a peine à intégrer la sélection. Non, mais. Non. Oui, mais Nek Sao a dit. Oui, ok. Bien sûr. Mais Nek, où c'était là, et Watkins, là, par exemple, nous connaissons que c'est Bali cap titulaire. Et c'est Harry Kane cap titulaire, bien évidemment, devant comme attaquant. Maintenant, lui-même, s'il est capable de continuer dans la forme que lié Ander qui passe son villa, c'est certain qu'il est capable de jouer le rôle de doublure là. Même Gallagher, là, et c'est pas un titulaire, je ne sais pas comment il soit titulaire, tout, en intérêt. Ça veut dire que quelque part, et M. Guéin, ou équipe confirmée déjà, lui-même, avec John Stones, avec Maguire, avec Ben Chilwell, et ou bien l'autre là, sur la droite là, à droite, il y a toutes ces attitudes liées, tout en intérêt là. Madison là, bien sûr, Madison est souvent. Oui. Et donc, et puis monsieur Kounia Baudelaire, monsieur, moi je pense que monsieur a une richesse devant qui est capable de mettre nos situations pour le baron qui utiliser, parce que l'organe Bouka Osaka quand même, et c'est ailier gauche. L'organe Phil Foden, et puis m'a regardé une équipe, monsieur, Marcus Rashford de Souban. Et donc. Oui, c'est des gens qui confirment. C'est, et puis, et donc, monsieur. Logan Declan Rice, en intérêt. Ou rien. Et Jude Bellingham qui fait goal hier, là. Et qui est même plus à peu dans l'intérêt. Tout. Donc, monsieur Gagné. Les amis White, en tout cas, bien national. Pourquoi il fait partie de sélection partout? Non, monsieur refusé. Monsieur refusé. Et pourquoi on a deux joueurs qui font ça? Et monsieur va décider. Monsieur va décider. Monsieur va répondre à la convocation entraîneur. Ok. Monsieur Dilba est intéressé. Nagyo, tout fait son insulte, oui. Et Nagyo a fait une chance pour jouer pour l'Angleterre. Et puis, monsieur, quel type de joueur ça yo? Et on est de notre quadrien Rabiot, pas venir mettre en réserve. Ou après l'aile, ou pas après l'aile. Pas venir dire que l'on réserve là dans 6, si il y a un joueur blessé, il va n'en pas avoir. Eh bien, c'est comme ça. Garde les joueurs qui sont à terre. Bon, par exemple, nous, on a arrêté de dire, nous, rappelez-nous, non-match. Non-match, Manchester City. Parce que, face à qui est-il, Roberto Mancini, vous pouvez le monter, c'est vrai. Ah oui, oui. C'est dans ce match. C'est vrai, c'est monté. Yeah. Bon, quoi, tout qui. Qui parle de Coupe du Monde dernièrement, et non, monsieur, et tellement c'est de nègre qui drôle. Alors, Baudelaire, avant que je quitte au aller, et la France, quand même, m'a appelé une équipe de pêche qui considère la France comme favori pour Euro 2024. Là, bon, c'est finaliste quand même. Mais sous deux derniers matchs que nègre joué,
et ça a perdu et d'ailleurs face à l'Allemagne. Bon, nous ne pas parler de l'Allemagne et Baudelaire, parce que quand même l'Allemagne, c'est le pays qui peut organiser la Coupe d'Europe. Ça, et l'Allemagne sorti, m'a pris un mot côté utilisé tout à l'heure, deux masterclass, deux matchs et références. Et face à l'équipe française là, que Negio asphyxié tout carrément, et Negio empêché la France respirer. Et puis, et face à. Justement, et face et hier, et face à la Hollande, qui a battu 2-1. Maintenant, et Baudelaire, dans le cas pas équipe de France, non, par contre, si vous suivez Daniel Riolo, monsieur son journaliste et football en France, très prisé, etc., mais surtout connu pour sa grande gueule. Monsieur dit. Le journaliste, il va parler là. Il y a. Monsieur, bonne déclaration que monsieur fait, qui a fait la une en France. Monsieur dit que. Et le regard des joueurs de France, français, il n'y a pas une qui rapprochait techniquement de Toni Kroos, de Ilkay Gundogan, de Kimmich, de Musiala, de Wirtz qui fait goal là. De toute façon, monsieur dit que différence en ligne. Alors, monsieur dit qu'il n'y a pas rapproché techniquement de joueurs allemands. Maintenant, c'est quand même, on a parlé quand même de Tchouaméni, de Kamavinga, et bon, on va mettre Mbappé à l'Ipaladin véritablement. Et qui est-ce encore? Est-ce que monsieur parle un peu trop fort? Et à savoir, lui comparer demi-tentéraire. Ah, monsieur dit que là, il y a des équipes de France dans son ensemble. Équipe, ça n'a pas gagné des joueurs qui rapprochaient techniquement de Toni Kroos, de Musiala, de Wirtz qui fait goal là, de Ilkay Gundogan. Monsieur trouvait que techniquement, différence en trop. Je ne dis pas que c'est énorme, même pas que quelque part, il y a raison, oui. Parce que lorsqu'il est tiré Griezmann ou est tiré Mbappé, et qui est-ce qu'on a dit encore de Varane? Varane, c'est un joueur, mais je vais même le comparer là à Laurent Blanc, dans, personnellement, c'est lui qui fait ça. Et même pas, ouais, vraiment, même pas, ouais, c'est Hernandez ou Casemandez. Bah ouais, c'est un des joueurs qui très fort techniquement. Moi, je crois que Daniel Riolo, bien sûr, c'est quoi, m'a dit, il très bien raison, même pas que le sens qui a bien raison. Il a considéré Toni Kroos qui tourne pour l'Allemagne là. Non, son retour est. Son retour qui vraiment capable de dire, fait avec brio et qui pose la prise. Son retour fructueux, il m'a dit comme ça. Pour l'équipe allemande là, puisque M. Poté, tout savoir-faire, toute expérience, tout ça, et nous pensons avec Brassa Capitana, c'est lui-même qui gagne, c'est lui-même qui mérite, c'est lui-même qui est plus ancien, 34 ans d'âge, champion du Montpellier. Et monsieur, l'Allemagne là, ça lui est chez pays contre. Non, l'Allemagne, sérieux. Maintenant, moi-même, il y a deux joueurs là, dans la France, je trouve que. Alors, pour moi-même, oui, c'est pas que y a deux bluffeurs, non. Mais c'est deux joueurs pour moi qui sont au côté. Et joueurs, les Tchouaméni, Kamavinga, et mon cher, moi-même, ça ne va dire rien comme le football. Parce que je ne sais pas qui équipe. Bon, il y a joué dans le Real, ça va dire là, son bail qui est regrettable. Nego venant Real, même pas une équipe grosse équipe que Nego est capable de jouer aujourd'hui en Europe pour titulaire. Bon, pas même besoin de Bayern de City même, c'est-à-dire et Nego pas titulaire dans Bayern de Munich qui m'a parlé de Tchouaméni, elle va pas jouer sous Leon Goretzka, il va pas jouer sous Kimmich, Kamavinga par exemple, pas quoi que Monsieur Kagwe sous Bruno Guimarães et brésilien. Et bon, comme lui même c'est on les joue dedans ou les joue dehors et Tchouaméni également. Et je trouve que c'est son gros opportunité que Nego gagne à venant Real, mais ça, la France besoin, je ne sais pas quoi que Nexa a gagné et volume football assez pour la France. Oui, c'est ça, moi, en passant, c'est un paquet de stade à ce Milan. C'est un joueur argentin qui était très chanceux. Même pas ces joueurs, ça a un poste à la Rico, et c'est un paquet de stade mais qui a beaucoup franchi. Pour moi, je ne suis pas capable de considérer comme deux dépanneurs. Parce que j'ai l'impression. Mais que y a de la place qui t'a placé, y a de l'impression de si bien. Après, ils ont Tchouaméni, ils sont les derniers fois. Tchouaméni a joué à l'arrière central. Bon, côté là, c'est Fernandez, mais c'était exceptionnel, mon cher. Yeah. Il change de réputation, et très solide.
sans chauffer pour cette patio. Non, c'était énorme. Et puis, Kamavinga, le latéral latéral gauche, c'était deux champs dans la Coupe du Monde, non, qui étaient utilisés comme ça, face à l'Australie notamment. Nous sommes la question même pour là avec l'Australie. Donc, non, match, il n'y a pas de trop en jeu, qui est arrivé comme arrière gauche. Dans ce championnat-là, et puis, Ancelotti imite plusieurs fois, notamment notre classico à Rico, le 28 octobre 2023, que lui est utilisé comme arrière gauche, et nous rappelons tout, monsieur pas démarré maintenant. Il n'a pas démarré maintenant comme titulaire, et là, il vient notre réalité, non seulement par équilibre, mais il débat plus solidité, et lui, il était fait PDR dans ma tête de Volta comme arrière gauche, que nous rappelait que Barcelone a dominé. Et pendant une heure de temps, mais c'est Real qui travaille bien avec deux goals de Bellingham. Bon, Léa, bon, merci, brother. Et continuez à prendre soin de tes domaines, et restez à couvert, en pile prudence, et puis nous espérons que bah, y a avancé. Salut Madame Damoud Bazam, salut Samuel Pierre, et puis les prince des gens, et pourquoi pas Jameson. Salut toute l'équipe là, bye bye. Nous te contactons avec vous, amis auditeurs et auditrices. Merci parce que vous avez prêté nos oreilles ou à attention. Bonne suite de programme.